As-tu déjà observé un aquarium? As-tu déjà observé les poissons qui se trouvent dans l'aquarium? Si ce n'est pas le cas, je te propose de pouvoir le faire, le cas échéant. Tu remarqueras que la plupart des poissons ne se trouvent pas carrément sur le sable, carrément au fond, non! La plupart des poissons ne se retrouvent pas non plus tout en haut, tout le temps, mais se baladent dans l'aquarium, toujours vers le milieu. Je t'en dis plus tout de suite. La pensée du jour se trouve dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Je vous ai parlé il y a quelques instants de cet aquarium. Visualisez avec moi un aquarium, ok, des poissons qui se baladent, et parfois les poissons montent et descendent. À quel moment, d'après vous, le poisson ira vers la surface? Certains poissons vont monter pour respirer, d'autres surtout quand vous prenez votre petit bocal de nourriture et que vous allez saupoudrer. Et là, tout de suite, ils sauront, voilà, la table est mise et il va falloir manger, donc ils vont monter, ils vont aller au contact de la surface pour se nourrir, pour reprendre des forces, pour continuer leur journée, entre guillemets. Vous et moi, nous avons le même principe. Si vous voulez avoir des forces pour continuer la journée, il va falloir monter. Monter, ici, je parle d'une intimité avec ce qui est au-dessus de nous. Et vous comprenez bien que celui qui se trouve au-dessus de nous, c'est Dieu lui-même. Dans ce texte, Matthieu 6, verset 6, quand tu pries, quand tu rentres en intimité, prier, c'est avoir vraiment une intimité. Entre dans ta chambre, là encore, deuxième élément, la chambre, c'est là où l'intimité se passe. Ferme la porte, reste dans le secret, et là, tu pourras parler. As-tu déjà essayé de parler à un ami cœur à cœur? C'est très difficile. Je te propose de pouvoir l'essayer. Et tu vas tout de suite sentir un malaise, un mal-être, parce que nous n'avons pas l'habitude de parler cœur à cœur. Mais Dieu voudrait que nous échangions avec lui cœur à cœur. Cet exercice peut également se faire avec votre époux ou un ami proche. Coupez-vous des parasites extérieurs en fermant une porte, par exemple, en éteignant la télé, en coupant quelques minutes le téléphone. Et faites cet exercice de parler cœur à cœur. Vous allez rentrer dans un domaine spécial, un domaine plus élevé que très peu de personnes connaissent. Pour aujourd'hui, voilà le défi que je vous propose. D'avoir, soit avec votre époux, épouse, votre fiancé, votre copain, votre copine ou encore vos parents, un échange cœur à cœur, le même échange que nous avons également avec Dieu au travers de la prière. Vous aurez des fenêtres, vous aurez surtout une fenêtre qui sera ouverte sur quelque chose à découvrir, à appliquer et qui nous permettra d'être plus sincères. Voilà, je vous ai proposé comme ce poisson de vous connecter à ce qui est au-dessus et finalement, de tester ce cœur à cœur avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche de vous. Alors ne le faites pas avec n'importe qui surtout, hein, ça marche. Portez-vous bien, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.